Alors tu t'installes, tu as été rétro, tu regardes derrière s'il n'y a personne qui a pas mis sa ceinture, et puis dès que c'est possible, on y va, on tournera à droite en sortant. Ok, monsieur Basile. Il y a quelque chose que tu comprends pas, tu me demandes, je répète, il n'y a pas de problème. Mais il faut bien ouvrir tes oreilles parce que je ne vais pas répéter quatre fois. Ici, t'as remarqué, pour bien faire attention, tu vois, par exemple, break, ici, c'est pas important, il y a des flèches. Donc, les flèches, les directions, il faut bien les regarder sur la route. Ok, monsieur? Voilà, ça, c'est l'accélérateur. Tout à l'heure on a tourné à droite, maintenant on va tourner à gauche. Allez un peu plus vite, l'allure, on va pas t'enlever ici. Tire-toi à gauche. Ça va Zineb? Hein? Oui. Là, t'as ouvert tes yeux aujourd'hui. T'as ouvert tes yeux. Oui. Tu t'es rendu compte de tes erreurs. Oui. C'est pour ça que je t'ai dit, comme c'est pas loin de chez toi, tu peux venir prendre ta voiture et commencer à regarder. Mais pas rouler comme une folle. D'accord. Tu reviens, tu regardes tranquillement, à gauche, à droite, comme ça tu connais le parcours. D'accord. Tu sais maintenant l'endroit, le point de départ où il est où, c'est pas très loin, donc tu viens même dimanche avec, avec ton chéri et tu peux venir regarder. C'est les ronds-points ton problème, toi tu coupes carrément le rond-point, genre la route elle est à moi. Non, la route elle est pas à toi. Là c'est des parcours faciles, regarde, c'est des grands axes, il n'y a pas de petites rues. Allez, on prendra à gauche. Non, reste à la voie de droite. Il y a deux voies pour tourner à gauche, tu prends celle qui est la plus à droite. Parce que s'il y a deux voies ici, il y a deux voies de l'autre côté. Je vois rien, non, il y en a à droite. On prendra à droite. Voilà, c'est là. Contrôle derrière toi. J'attends toujours à droite. Il y a la flèche là-haut. Tu la vois la flèche? Quand il y a la flèche, tu dis, on peut y aller. Lève le pied. Observe d'abord, analyse, après agis. Faut bien rester sur la droite, monsieur. Allez, c'est marqué 70 euros là. 70. Tout à l'heure, toi. C'est marqué 70, tu roules à 90 ici. Et l'autre côté, c'était 70. Non, l'autre côté, c'est 90, tu roules à 70. Tourne à gauche.
crois, tour du rond-point, là, qui est à gauche. Ah, ils sont encore là-bas, les gens. C'est un hôpital. Ben, je sais pas, je crois que c'est plutôt c'est une usine, non. Non, c'est un hôpital. Ils ont marqué « Santé en danger ». Ah, si tu vas boiter, t'es en danger. Donc, santé en danger. Il faut boire du thé. Hein? C'est ça? Santé en danger. Oui, il faut garder, il faut boire du thé. À gauche et puis après on prendra en face, c'est-à-dire en fait on prend à gauche et on va repartir à la droite. Voilà chaque charretteur. Et à toi là-bas, tu vas te remettre sur la voie de droite. Et tu prendras la voie de droite. Tu vois, il y a une voie qui va tout droit et il y a une voie qui va tourner à droite. Donc toi tu prendras la voie qui va à droite. Avec le tien à droite, s'il vous plaît. C'est parti mon kiki. Contrôle sur le côté. Très important le contrôle là. Et donc là on part à droite. Puis en bas on tournera à gauche. Non tu peux aller à droite. Ouais ouais on peut aller à droite. Ah c'est barré. Alors à gauche. Contrôle. Freinage. Fermeture à la circulation. Donc à gauche, direction les épinettes, les zonettes. On va aller faire un petit tour là-dedans, là, dans les épinettes. Sans se faire piquer. Les épines, ça pique les épines, Hein. Il faut que je pousse le volant pour montrer sur la gauche. Remets ton clignotant. Tourne à gauche. Voilà. Au moins 8. C'est mis à combien là ?
limité. Hein. Justement, quand c'est limité à 30, toi qui roules vite, tu seras puni. On prendra la direction autoroute A6. Autoroute A6, c'est dans quelle direction? C'est à gauche, hein. Oh, c'est des grands axes, hein, ici, hein. Mmh. C'est ça qui est bien, c'est pas des petits trucs, quoi. C'est des villes nouvelles, ça. C'est pas vieux, ça a été construit il n'y a pas très longtemps. Les feux, ils sont longs ici. Hein. Mmh. Ça va être à nous là. Attention, 1, 2, 3. Ils sont autour à 6. Ça serait une bonne idée, hein.
t'arrêtes à un stop, ils comptent 1, 2, 3. C'est bon, ça passe. Hein. À droite. C'est bien le coup des piétons là. On va essayer de rouler un peu plus vite quand c'est possible. Montrer du dynamisme. Là par contre, il faut ralentir. Un peu là-bas, on tournera à gauche. Attention à l'intersection là, on ne sait pas c'est quoi. Hein. Quand on ne sait pas, on réduit l'allure. Et ben, c'est une belle priorité à droite. Et là, on ira à gauche. Là, tu vois, c'est mieux que tout à l'heure. Là, tu t'as conduit mieux là. Tout à l'heure, tu regardais pas les panneaux, tu contrôlais pas. D'ailleurs, c'était pas ça. Là, tu contrôles. À droite. Alors, ah non, c'est bon.
certain pour venir sur ta droite. Coup d'œil. Voilà. Ensuite, on proche un peu là-bas, au feu, on tournera à droite. Stop, ça ira ici. Stop. Allez, marche arrière, franchement, bataille. Avec le clignotant à droite, s'il vous plaît. Continue, redresse tes roues, tu peux faire une petite marche avant. Entre les deux lignes, là. Regarde derrière toi s'il te plaît, merci. Regarde derrière toi, pas les rétros derrière. Recule encore un peu. Stop, maman, prends ma côté terminé. Oh. Ok, celui-là était pas trop mal par quoi. Par contre, ça manque un peu d'allure. Hein. Ça manque de rythme. Tout à l'heure c'était 30, je comprends. Mais après, quand c'est pas 30, il faut rouler à 50. Il faut un peu d'accélération. Pour bien montrer la différence entre les moments où on doit rouler doucement et les moments où on doit rouler vite. Ok, normalement ça devrait être bon comme ça. Normalement.